Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en communion avec notre pape François et avec le Collège des cardinaux qui prépare activement la célébration de mardi prochain, où le pape sera installé à Saint-Pierre de Rome, mettons-nous en présence du Seigneur et reconnaissons avec simplicité de cœur notre péché, notre petitesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant par action et parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement, d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule « Fils du Seigneur ». Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres, sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ses paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera dans ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles.
Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. De la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. L'esprit abattu, malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Avec moi pour me défendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée. Quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner, quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir ?» Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité. Lui que vous ne connaissez pas, moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. »
On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque j'étais en classe de troisième, il me souvient avoir lu quelque part une méditation du psaume 33 selon Saint François d'Assise. Et il reprenait comme un refrain, d'une autre manière, un pauvre a crié, Dieu l'entend. Ce psaume que nous venons d'entendre, de chanter, de méditer, le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment, pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre a crié. Dieu l'entend. Et saint François d'Assise, de continuer dans sa méditation sur ce psaume, le Seigneur a déjà trouvé le pauvre. Le pauvre cherche à le rencontrer. Et son cœur blessé finit par détecter, découvrir son Seigneur qui l'appelle. Car ce ne sont pas les blessures qui le rapprochent du Seigneur, mais la manière dont il les a endurées des méchants, des soi-disant justes, qui font du pauvre un proche du Christ, puisque le Christ est proche des pauvres. Il me semble que le pape François, notre pape François, à travers quelques gestes tout simples, en quelques minutes à peine, a montré à quel point ce qui le caractérisait dorénavant, c'était le service des hommes. Et le service des hommes comme évêque de Rome. Il est l'évêque de Rome. Il est l'évêque de Rome au milieu du collège des évêques du monde entier. Et il est le premier des évêques, ce qui fait de lui évidemment le pape. Mais il est d'abord cet évêque qui prend soin de ses brebis, et parmi les brebis, les plus pauvres. Il a gardé tout simplement sa croix de pasteur, sa croix d'évêque. Et je suppose que dans les jours et les mois qui viennent, nous découvrirons ainsi, de simplicité en simplicité, de geste simple en geste simple, une humilité grandissante chez cet homme qui avait dit avant d'entrer en conclave, « Nous n'avons pas à chercher d'une manière nouvelle un pape, puisque le pape est déjà choisi par l'Esprit Saint, nous avons à le trouver. Il est déjà choisi. Voilà, nous avons notre pape François. Nous pouvons le prier pour que nous découvrions les chemins de l'Église qui est à construire, à bâtir, qui est en chemin
cette Église qu'il nous faut relever, comme disait saint François. Cette Église qu'il nous faut construire. Et j'aime bien rappeler aussi cette phrase du pape François qui disait récemment, hier je crois, aux cardinaux, « Le chrétien doit porter sa croix, l'Église doit porter sa croix, sinon c'est une ONG banale. » Eh bien nous avons nous aussi à ne pas être de ceux qui tombent dans la banalité et qui même parfois s'en glorifient, mais plutôt d'être des témoins ardents de cette croix qui nous tient debout parce que c'est nous qui la portons, de cette croix qui s'avance dans le monde parce que le Christ défiguré par nos péchés, qui a subi ce martyr de la croix, c'est lui qui, en prenant sur ses épaules toutes nos petitesses, vient éclairer d'une manière nouvelle et définitive, vient glorifier toute l'humanité par le salut d'un seul. Les fautes de tous sont effacées. Et donc, dans cet évangile que nous venons d'entendre, il en va de même. Les Juifs et ceux qui assistent à cette prédication de Jésus au Temple sont en train d'ergoter sur l'origine de Jésus, sur le lieu de Jésus, sur ce qu'il est, d'où il vient, qui l'a envoyé. Et le Seigneur répond imperturbablement qu'il est la vérité, envoyé par la vérité, qu'il connaît le Père et que le Père le connaît, et que, à partir du moment où il annonce la vérité, il devient intouchable. On cherche à l'arrêter. Mais personne ne met la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le mal pourra le faire périr par la mort sur la croix à partir du moment où, en communion parfaite avec son Père, Jésus aura décidé librement de remettre sa vie entre les mains de son Père. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et lorsque l'heure sera venue, alors il mourra sur la croix. Mais il ressuscitera dans le même mouvement, mouvement d'amour, de communion et de vérité, puisque le Seigneur le prend avec lui, puisqu'il est le Seigneur. Alors ensemble, continuons de méditer cet évangile en faisant cet arrêt sur image sur les béatitudes. Et soyons des bienheureux parce que nous faisons ce que le Christ nous demande et parce que notre seule gloire, c'est de faire la volonté du Père, c'est de nous reconnaître pécheurs, de demander la prière du Père sur nous, et qu'ensuite nous recevions du Père la joie au centuple, comme François en ces moments-là. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous achemine en nous purifiant ton corps jusqu'à la source dont ils descendent par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges, Saint Denis et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric et Renaud, Jérôme et Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous t'implorons ta bonté, spécialement sur Sylvie, malade.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint François, Saint Denis, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Pouvez-vous asseoir quelques instants de méditation silencieuse. Ensuite, nous écoutons la lecture. De sainte Thérèse Coudert, se livrer. Je me disposais à commencer ma méditation lorsque j'ai entendu le son de différentes cloches qui appelaient les fidèles. Dans ce moment, j'ai désiré m'unir à toutes les messes qui se disaient. J'étais dans un grand étonnement que le monde entier n'en était pas sanctifié. Voici la réponse que j'ai cru entendre. Le sacrifice est sans aucun doute suffisant par lui-même et le sang de Jésus-Christ plus que suffisant pour la sanctification d'un milieu de monde. Mais les âmes manquent de correspondance et de générosité. Or, le grand moyen d'entrer dans la voie de la perfection et de la sainteté, c'est de se livrer à notre bon Dieu. Mais qu'est-ce que se livrer ? Je comprends toute l'étendue du sens de ce mot, se livrer, mais je ne puis l'expliquer. Je sais seulement qu'il est très étendu
et qu'il embrasse le présent et l'avenir. Se livrer, c'est plus que se dévouer, plus que se donner. C'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, c'est enfin mourir à tout et à soi-même. Ne plus s'occuper du moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel. C'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Il faut donc ajouter que se livrer, c'est aussi cet esprit de détachement qui ne tient à rien, ni pour les personnes, ni pour les choses, ni pour le temps, ni pour les dieux. C'est adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout. Se rappeler que l'on s'est livré. Je prie notre Seigneur de donner l'intelligence de ce mot à toutes les âmes désireuses de lui plaire. Si l'on pouvait comprendre d'avance quelles sont les douceurs que l'on goûte quand on se met pas de réserve avec le bon Dieu, comme il se communique à l'âme qui le cherche sincèrement et qui a su se livrer. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, le Christ, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort livrée sur la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Ave Regina Caelorum.